Joseph et Danny Charles Ministries. Nous saluons dans le nom précieux de Jésus. Nous allons faire un duo et nous demander attention. Que bon Dieu bénisse. Merci. Nous allons attendre dans le moment ça un chant obéi quoi en créole et en anglais. Avec Joseph and Danny Charles Ministries. Thank you. Enoch, te marche bien à Dieu. À 365 ans, li te prend avec. Genèse 5, verset 24. C'est la chant composé. Que nom nous bénit et nom par nous, Joseph and Danny Charles Ministries, bénit tout. Non, non, Jésus, amen. To
trust and obey. Amen. Alléluia. Trust and obey. Obey quoi? Obey quoi? Et ça, on fait ce qu'on fait. Glory to God. Obey quoi? Amen. Alléluia. Alléluia. Obey quoi? Merci Jésus. Merci Seigneur. Chers auditeurs, auditrices, me saluons dans le nom de Jésus. Je vous remercie d'être sur une opportunité pour venir à nous, pour nous présenter le message de la parole de Dieu. C'est que le message ça qui m'a fait aujourd'hui, c'est les effets maléfiques du péché. Je fais partie de un déjà, je dis que c'est par Dieu qui m'a fait là pour nous. C'est que avant que je commence, je m'a prié pour Dieu pour assister nous. Cher Seigneur Jésus, mon Dieu, je viens devant, Seigneur Dieu, c'est vous qui papa, c'est vous qui m'écoute là, ou observez avec moi comme porte de parole pour présenter la parole par peuple. Mon Dieu, mon Dieu, pour va débattre de la chair, ou remplir cet esprit, mon Dieu, mon Dieu, t'en prie, ou faire nous tout disponible pour nous donner des messages, ça, pour nous qu'à édifier, puis qu'à marcher avec, ou selon Jean Covlia, dans le précieux nom de Jésus. Amen. C'est que, mais ça qui m'a fait aller les effets maléfiques du péché, ça, c'est pas dû à ma fait, parce que je ne fais pas un avant. C'est que pour me faire lire, je m'applique 1 roi 6, verset 9, 1 roi 9, verset 6 à 9. Je m'applique 1 roi 9, verset 6 à 9. Ok, on va commencer. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, 1, la maison du roi, 2, et tout ce qu'il lui plaît de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabéon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur, et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé. Et si tu observes mes lois et mes ordonnances, ça m'a fait pour vous, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père en disant, tu ne manqueras jamais un successeur sur le trône d'Israël. Mais là, la même botte, verset 6, botte. Merci, vous vous détournez de moi. Vous et vos fils, et si vous n'obéissez pas à mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et prosternez-vous devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je resterai loin de moi de la maison que j'ai consacrée à mon nom. Et Israël sera un sujet de saccages et de railleries parmi tous les peuples. Et si vous placez, quelle était cette maison? Quiconque sera placé, passera point d'elle dans l'entonnement, sera dans l'entonnement. Et si fera, on dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qui a fait sortir du pays leur petit pays d'Égypte. Parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant lui, devant eux, et les ont servis. C'est pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Ok? Sur le lieu de nos actes, mais ça n'a fait, c'est les effets dans la vie du péché, n'a fait partie d'eux. On continue là où ils ont été arrêtés dans les effets maléfiques du péché. Cela va être la deuxième partie. N'oubliez pas que dans la première partie, qui s'annonce, qu'est-ce que le péché? Nous avons des types de péchés. Nous avons des péchés ou des péchés par omniscient. Nous avons des péchés ou des péchés par commission. Et nous avons des péchés ou des péchés par présomption saine. Les péchés présomptueux. Qui ça encore? C'est verset utilisé avec nous, c'est Matthieu 1, verset 21, m'appelons encore. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et l'autre verset encore, qui me prend avec nous, 1 Pierre 2, verset 24, qui dit consacré, lui qui a apporté
lui qui a ôté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les maîtrisures duquel vous avez été guéri. Car vous étiez comme des brebis errants. Mais maintenant, vous êtes retourné vers le pasteur, le gardien et le gardien de vos âmes. Après, ça me pose une question, ça. Dites comme ça que si Dieu décidait à sauver les gens de ses péchés, comment un chrétien peut-il décider ou se réjouir à demeurer dans le péché? Dit non, ça n'a pas qu'à faire. Nous ne voulons pas continuer à pécher pour quelle raison? Parce que le péché entraîne des mauvaises conséquences. Parce que la Bible fait nous connaître des conséquences lorsqu'on a fait péché. C'est ça fait petit message à lire les effets maléfiques du péché. Il y a deux versets qui font connaître que ma première verset avec nous, c'est 1 Pierre 4 verset 17 qui dit consacré, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Il a parlé des jugements. Car c'est 1 Pierre 4 verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Aussi c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. L'autre personne comme Dieu avec nous, un Corinthiens 11, verset 31-32, qui dit consacré. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Quand nous, l'autre verset, allez pour nous, Hébreux 12, verset 6 à 11, allez pour nous-mêmes. C'est que verset ça, Hébreux 12, verset 6 à 11, fait nous connaître que châtiment bon Dieu, à la fois douloureux, les painful, les douloureux, et c'est pour profit, non. C'est que c'est petit bon Dieu a péché, bon Dieu a châtié. Mais châtiment, les papes douces, la douloureux. C'est ça que fait, ça me t'amène nous connaître. Ne confondez pas le châtiment de Dieu avec l'abus du pouvoir. Les bons diables châtient, leur papa châtient qui font des ordres, la petit c'est pas abus du pouvoir lié. C'est que puis quand nous confond châtiment bon Dieu avec abus du pouvoir, c'est pas abus du pouvoir bon Dieu, c'est avec nous. C'est dans ce verset que nous pour moi avec nous, après avec nous sommes 14 verset 15 qui fait qu'on est que châtiment bon Dieu c'est pas abus du pouvoir qui lié. Somme 14, verset 15 qui ça dit, car le jugement sera conforme à la justice. Vous savez ce qu'il dit? Car le jugement sera conforme à la justice, et tout ce dont le cœur est droit l'approuveront. C'est que l'autre verset encore, c'est Somme 51, verset 4, qui dit comme ça que j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Sans reproche, c'est pas abus que Dieu a fait nous, c'est que grand mal qui fait, c'est que Dieu a puni mal là, la baille mal là. Ok? C'est que apôtre Paul dit ça à tout. Apôtre Paul dit consacré clairement que le péché a conséquence. Dans qui ça dit, c'est dans Galates 6, verset 7 à 8, nous parlons avec nous. Dans Galates 6, verset 7 à 8, verset 7 à 8, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le maçonnera. Celui qui sème pour sa chair, maçonnera de sa chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, maçonnera de l'esprit et la vie éternelle. Galates 6, verset 7 à 8. Cela, ceux qui se livrent à un comportement pécheur, ceux qui se livrent à un comportement pécheur, c'est celui qui sème pour, plaire à sa nature pécheresse. Récolte de cette nature la destruction. C'est ça que la 6 verset 8 dit. C'est l'expression nature pécheresse fait référence au vieil homme. Homme nous était avant de convertir. C'est que homme nous était avant de convertir. C'est homme qui met tout péché la chair. C'est que si on crée ce secret, on veut retourner dans le péché, lâcher ça, on va prendre un bâton dans le laisser. On va tirer le jugement sur vous. C'est ça fait. Jugement que bon Dieu, là où tu as bas jugement, bon Dieu, bas jugement, jugement li, c'est que moi qui ai plus connaissance, il prend plus bâton.
c'est que plus qu'on connaît que ce mal à part ça, au Félix, c'est vrai, tout le monde qui est moins connaissant de la première bâton. C'est ça, il est dans Luc 12, verset 47 à 48. Bible pour Luc 12, verset 47 à 48, c'est ça le dos. Le serviteur qui ayant connu Luc 12, Luc 12, verset 47 à 48. Ok, les deux, ok, Luc 12, verset 47 à 48. Les deux, le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Ouais, le serviteur qui connaît la volonté de son maître, oui. Le serviteur qui connaît la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de bâtons. Ouais. Mais c'est lui qui ne l'a pas connu a fait des choses dignes de châtiment, sera bâti de coups. C'est-à-dire que même si on ne connaît pas, on prend bâton. Pas parce que on connaît. Et donc, on ne connaît pas, il faut d'abord prendre bâton. Sera bâti de coups. On demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné et on aussi sera davantage à celui à qui l'on a beaucoup de confié. C'est ça que je dis dans Luc 12, verset 47 et 48. Ok? Kounen là, il y a des conséquences qui m'a fait, m'a donné pour péché. Quand nous avons une première conséquence, ça lié, vous pouvez prolonger la bénédiction du Seigneur ou le plan de Dieu pour votre vie. Les bons dieux font promesse. Les bons dieux font ça que, par exemple, si mon dieu font ça, la fois qu'il y a une belle caille, la fois qu'il y a une belle caille, mais vous devez prévoir la période qu'il est là-bas, caille là. Mais pendant ce temps, vous devez être dans la sanctification, être dans l'humilité, faire tout ça à votre manteau. Mais si par exemple que ou bagay, si mon dieu te prend pour le bâle en 2 ans ou café c'est juste avec 30 ans fin de journée. Well, c'est qu'on a prononcé bénédiction bon dieu pour que ça bon dieu que pour ben nous on va aller qu'à boire 2 ans qu'on va fonger pour moi à 30 ans c'est après leur vie de mou ou c'est on les après les quoi à venir grand monde ou une basse sous ça encore ou une bague des ou pas grand c'est ça ou pas le mari encore pour vie bénédiction c'est les sont pas jeunes ni c'est ça fait qui sont fait c'est ça fait c'est pour vite dans l'immunité obéir bon Dieu pour les 2 ans arriver pour carrément c'est ça bref bref prend Israël bon Dieu te fait ça promesse quel de quel balte canaran dans de canaran d'après bref avant mon ça après 2 ans mon Dieu t'a baïol mais elle prend avec 40 ans l'autre conséquence qui va prendre pas pendant ça non l'autre conséquence que qui me prend avec nous ou qu'a dit net ma pour conséquence aujourd'hui là ou qu'a prolonger next là qui m'a prend prochaine fois m'a tourner souvent mon Dieu fâché même ou qu'a perdu net connant avant que commencer ma fonti on bay short pour nous des direction Israël dépend c'est que dans Exode 12 qu'il a trouvé Israël était pas sauvé dans Exode Israël était pas sauvé dans Exode 12 dans Exode 14 qu'il a trouvé Israël a traversé la mer rouge dans Exode 14 dans Exode 15 Israël c'est deux premiers endroits, deux premiers stops Israël est arrivé à traverser la mer rouge là. Ils ont tiré les Mara, ils ont tiré les Eli. Mara c'est là que Israël était ouais de loi, était amer. Ils ont murmuré, à Mara ils ont murmuré qu'on a mon Dieu tu avais fait Moïse pour un bois, libérer dans de loi, qu'on a de loi, t'es venu douce par amer encore. Mais après ça, les Israël étaient marchés puis devant à Elim, Israël était toujours 12 springs of water. Ouais, ils ont plein pour ma gloire, mais pendant plus de 20 ans, bon Dieu t'a serré 12 springs of water pour lui. Il y a des fois plein, c'est qu'on n'a pas connu. Bon Dieu, qu'on a une belle bénédiction qu'elle parle pour nous, 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 pour plein puis devant un il est tout prêt à oui bon Dieu t'a serré 12 springs of water. Quand dans Exode 16 qui est en train de Israël était venu dans le wilderness of sin. Dans le wilderness of sin, tu as trois bagues de passé. C'est le wilderness of sin dans l'exode, c'est ça, vous dites Israël mana, la man. C'est le wilderness of sin dans l'exode, Israël mana. Deuxième bague, tu dis fait. Les gens la paix, papa rien vient pas manger. Vous dites font équipe d'oiseaux, caille, fait oiseaux monter qu'on a même peut de manger. Troisième bague de passé, c'est les ça vous dites Israël. Dans l'exode, c'est sur Israël sabbat.
C'est que c'est dans les autres sabotités prévues basées à sabbat. Lors dans les autres, dites vous que souvenez-vous de justice de sabbat dans les autres vers, c'est parce qu'il était dans Exode 16. C'est ça, c'est pas les choses qui va qui quelqu'un les songer là. Que on connaît qu'a dit oh, là dit il me met des sabbats, des sabbats dit mais va pas passer par les choses 16. Si pas par les choses 16. Alors tes kabali pour dire même ben, c'est après dans les autres 20, il mettait là pour dire songer. C'est comme si ça dit aux aké, songer dans Exode 16 de Mama Naoui, c'est dans le desert of sin. C'est là on a vu la comme ça. On peut faire ça des semaines. On peut faire ça dire aké pour même ben. Il me va passer de bannir les autres 16. C'est ça fait de Dieu. C'est Isaïe qui t'a dit. Il va te bâiller gentil. Il va te bâiller gentil. Dans les autres 16, dans le des autres 5, il te bâille. Mana. Dans les autres 17, c'est là ça. Il y a un arifidim. C'est ça. Il y a un débit de l'eau. Moïse te frappé au chat. Le frappé au chat, l'autre est tombé. Ok, c'est dans les autres 17 tout. Ils ont été comme Amalek. Les Moïse. Mais là, ils ont victoire. Les Moïse, mais là-bas, mais là-bas, ils ont victoire. On a eu Ur. On a eu Ur avec. On a eu avec. Ur avec Josué. Avec Josué, tu as levé, mais. Les Moïse, comme ça, pour poser tes cas de victoire. Ok, dans les 18, qui sont gagnés dans les 18, dans les 18, c'est ça, j'ai trop, t'es venu, j'ai trop, Moïse, t'es raconté, comment, bon Dieu, t'es battu victoire, t'es battu Pharaon, t'es fait sortir de l'armée rouge, c'est là, moi, c'est que j'ai trop, t'es venu converti, c'est là, j'ai trop, t'es dit, moi, comme ça, que, puis quand on convertit tout peuple là, pour qu'on tout, on va le top pour vous, et c'est pour un monde, mettez en bas, qu'est-ce qui est bon? Là où on caisse, il y a des caisses à barbons pour nous juger. Les gens qui ont caisse là, il y a des pour ça. Il y a des 18. Dans les autres 19, c'est les salaires au vénement au Sinaï. Dans les autres 20 à 23, bon Dieu, bah, la loi. Dans les autres 24, c'est les salaires, bon Dieu, marié à Israël, libéré au décline de l'eau. C'est dans les autres 24 que bon Dieu, marié à Israël, libéré à covenant avec Israël. C'est là le maïa salaire. Dans les autres 24, c'est que. Alors ça, Moïse fait 40 jours avec bon Dieu. La personne a instruction pour t'avoir la courage, c'est ça, tu es dans Exode 24, verset 28. C'est que dans Exode 25 à 31, Moïse, tu as besoin de voir ce mot-là, tu as besoin d'instruction comment pour te construire tabernacle là. Ça, les bon Dieu, mais demeurer dans le peuple. Chaque fois que Moïse parle à Moïse, qui ça va dire faire Moïse monter en l'air tout en l'appeler monter en l'air pour parler à Abel tout appeler monter tu sais que vous appelez monter puis monter et monter bien plus que 80 ans quand les bon Dieu ça va dire bon Dieu faire il y a tellement que Baba Moïse instruction pour faire tabernacle là il faut et dit Moïse comme ça que elle prend sang Simé sang sur mon yo, c'est que pour purifier, on est sans effusion de sang, par un pardon de péché. Alors, c'est le savon de vin maïa peuple, c'est le bon Dieu de maïa peuple, qu'on a vin de tabé dans la classe, ça fait bon Dieu vin et dans les très séants, qui fait bon Dieu pas plus de monter et descendre encore. C'est que dans les autres 25 à 31, nous avons Moïse en l'attaque, c'est pas une institution pour la mec là, dans les autres 32, ils ont fait coller une caf là. Ah oui, ça encore, Moïse fait 40 jours, l'appeler avec bon Dieu. C'est ça, ouais, dans Exode 34 verset 28. Ah oui, ça, dans Exode 35 à 39, il a conçu tabernacle là. Exode 35 à 39, il a conçu tabernacle là. Dans Exode 12, c'est le salut diable avec Aaron, t'es appelé, dis-moi, c'est le même que bon Dieu qui a obéi, qu'ils a fait l'être terrible sur eux. Dans Exode 13, c'est le salut de Kadesh Benéa, qui fait le salut, c'est le salut, il a été Espagne. Al yo te voye espion al ba etea c'est ça yo te prêt ngi moi ça vite va avec nous c'est que espion yo te fait 40 jours dans téa dans l'aide là yo t'a espion l'aide là c'est ça ouais dans non 13 verset 25 dans autre 14 vite gagner rébellion est-ce que c'est la Samy yam te plein non 12 non 12 non 12 mais yam te plein non 12 c'était bien mais avec Aaron yo te plein c'est que dans autre 14 ou gagner rébellion dans autre 16 qui sont où elle Corée qui fait révolte, c'est ça, Théa Fon, 250 personnes rentrent dans la terre, ils ont mouru. Dans les autres 17, non, 14, où elle est rébellion, dans les 16, où elle révolte, of the Kora, Corée fait révolte, dans les 17, où elle bâton à Aaron, bon, tu fais habiter dans le tabernacle là, pour
ça qui bouge là, ça t'a fait bouger là, c'est des bonnes choses. Non seulement bouger, faire un monde tout. C'est ça, autre émission qui me fait avec nous, c'est qu'il faut me rentrer dans les soins avec nous. Ok? Avant, comment c'était les leçons avec nous? Je vais vous dire que la Bible a fait connaître que dans le Corinthiens 10, verset 16, qui ça dit? Dans le Corinthiens 10, verset 6, qui ça dit? Or, ces choses sont arrivées, pour nous servir d'exemple. C'est que tout ça, ça va aller avec nous, ça passe dans le testament, c'est vous servir d'exemple pour ne pas répéter ça encore. C'est que d'après le côté, les Israël péchaient, mais ça arrive à lui, pour vous fort, pour apprendre de ça, pour ne pas pécher tout, parce que si vous péchez tout, ou pour battre tout. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous ne soyons pas, nous n'ayons pas les mauvais désirs comme qu'ils ont eu. Ça un contient dit verset 6. Beaucoup de nous pas commencer. Pour nous commencer pour nous là, m'a prié avec nous Deutéronome premier. Deutéronome premier m'a prié avec nous. OK. Voici m'a dit Deutéronome premier verset 1 à 7. On va lire avec nous. Voici les paroles que Dieu a laissées à tout Israël de l'autre côté du Jourdain dans le désert, dans la plaine vis-à-vis de Souf entre parents. Tophel, Laban, Asirot, Indi, Zahab. Il y a 11 journées. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Seir, jusqu'à Kadesh Barnea. T'es 11 journées, t'es 11 days, pendant tout dans des, j'étais dans ma route Sinaï, dans Horeb, t'es 11 journées, puis arrivé à Kadesh Barnea. C'est que 11 journées, 11 days, j'étais en forme Horeb, tout Kadesh Barnea. Après 11 journées, c'est les sahara pral, voyez Espion, puis au Wetea, après les retourner, puis aller à l'Anterre, puis à le printemps. Ouais, bah, tout c'est 2 ans, ça t'a fait tout, après 2 ans, pas tout, 40 ans. Ouais, dans la 4e année, au 11e mois, c'est qu'il a accompli toute 40 années. Le premier jour du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de le dire. Ouais, elle dit 11 journées, c'est que l'homme de 11 journées, on élevait déjà à 40 ans, c'est cet esprit de ces 11 journées, c'est ça, c'est ce problème tout là. Comment 11 journées fait tourner 40 ans? 40 ans, 11 journées tourner 40 ans. Après 11 journées, on va le prendre pour élever des ans, on va le faire 40 ans dans des ans. C'est que Moïse parla aux hommes d'Israël, c'était après qu'il lui bâtit Sion, roi des Amoriens, qui habitait à Hesbon. Et Og, roi de Basan, qui habitait à Ashkoua et à Adré, de l'autre côté du Jourdain. Dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. En anglais, dis-moi ça, you have spent long enough on this mountain. Ouais, c'est après 40 ans, oui. Bon, Dieu a parlé avec vous, pour dire que vous faites trop de temps dans la montagne, oui. On journée que on t'a quitté Horeb là 11 days je t'a quitté Horeb pour al Kadesh Barnea c'est après 11 journée ça je t'a pas entré dans Canaan 11 journée ça après journée 40 ans c'est après 40 ans à cause de ce vous dites vous avez ou prend 3 temps sur montagne là vous ça dire il dit tournez-vous et partez aller vers la montagne des Amoriens et dans tout le voisinage dans la plaine sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur de l'autre côté de la mer, au pays des Canaéens et au Liban, jusqu'à ce grand fleuve, au fleuve du Jourdain. Ok? L'identification des deux des sites, qui est au Horeb là, avec Kadesh Barnea, l'identification des deux des sites dans les versets rend cela plus clair. L'Horeb est un autre nom pour le montagne Sinaï. Et Kadesh Barnea, dis-nous, est le lieu où Moïse et les enfants d'Israël campèrent alors qu'il envoyait des hommes de la terre promise comme espions. Kadesh Barnea était à la frontière de la terre promise. C'est qu'après 11 jours vers la frontière, après 11 jours, tu as parlé de Canaan, 11 jours, ça va tourner 40 ans. C'est que tu peux pas dire que c'est ça, au cas pour l'orgie bénédiction, mon Dieu. Et ça, elle dit, ouais. Et il était prévu que les enfants d'Israël en sortiraient et héritiers de la terre.
Les 40 ans, mentionné au verset 3, que nous avons là, les contrastes avec les 11 jours, 11 days, du verset 2, qu'il aurait dû faire s'il avait fait confiance à Dieu dans sa parole. À cause de leur incrédulité, il devait passer 40 ans dans le désert. Pablo, ce message là, au cas prolonger bénédiction bon Dieu pour vous. Mm-hmm. Et next, ce là, au cas éliminer le même. OK. Le voyage du monde au rêve à Kadeshwanea aurait pu prendre 11 jours, 11 days aux enfants d'Israël. Au lieu de cela, il les a fallu 40 ans. Pensez à la dernière fois où vous avez été erré au rond de votre vie chrétienne à cause de désobéissance que vous avez fait. On va vous dire à bord, ou erré, ou passer un peu de temps. Gardez dans la voie, combien de fois ça arrive. Ok? Nous allons faire un bref sommaire du voyage en Israël, d'Égypte, pour nous compter 200 à sortir. Ok? Avant de commencer, combat Mabdou. Bon Dieu travaille toujours, même yes. Si vous ne le voyez pas, même si vous ne voulez pas travailler. Bon Dieu toujours travaille, même si vous ne voulez pas faire rien, bon Dieu toujours travaille. Yes. Ok? Mais en coulisses, vous avez dit bien des signes. Yes. Bien des signes, ça vous a fait là, éliminer toute barrière, tout obstacle qui saurait devenir des handicaps plus tard pour nous dans notre vie. Yes. Ouais? Ainsi, attendre que Dieu fasse en nous et pour nous n'est pas un tête de temps. Pendant que vous attendez, ça vous a fait, il vous sanctifie, yes. Vous ressemble à son fils bien-aimé de l'amour. Mm-hmm. Bâtir votre caractère, c'est ça vous a fait pour obtenir, et vous bâtir afin que vous puissiez retenir ce que Dieu vous donnera, afin que le Seigneur ne passe pas sur vous. Parce que si mon Dieu pas votre travail avant, dans tant que bon Dieu à bord, si vous avez dans deux ans, vous dites que vous avez fait avant, si vous n'avez pas fait travailler ça avant, c'est que bénédiction, libération, malédiction pour vous. Mm-hmm. C'est que par contre, comment pour manager la crase ou le problème. Pour nous apprendre bon Dieu, pour bon Dieu faire ça pour vous, vous avez bâti carton, la forme, la limite tout ennemi que vous avez gagné. Donc, tant que bon Dieu, c'est pas on perd du temps, c'est pas qu'on presse à faire fort pour faire deux ans, faire un an, tourner 15 ans, 30 ans, ou quand même perdre tout. Ok? Nous parlons de l'année. Nous parlons de 10 ans. C'est 10 ans que tu as fait. C'est 10 ans que tu as fait. Nous parlons de 10 ans pour tourner 40 ans. C'est 10 ans que tu as fait. C'est 10 ans que tu as fait avec un désert là. Tu as fait 11 jours ça qui est. 11 jours ça qui est au flanc là. Tu n'as pas passé pour faire 40 ans de désert. Ok? C'est que nous parlons de sortir ou sortir. Exodus n'a pas dit sorti. Cela couvre les deux années qui ont suivi l'exode d'Égypte, y compris le voyage au Sinaï, l'année passée sur le montagne Sinaï, avec nous, au cours de laquelle la loi a été donnée, et le tabernacle construit, suivi du voyage du Sinaï à Kadeshbanea et la frontière de la promesse. C'est ça que Mbralou avait nous là. Ok? Nous allons commencer. Le premier verset, nous pas avec nous. Nous Exode 12, verset 1. Nous avons trouvé les deux sorties. Exode 12, verset 1, nous avec nous. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois. C'est que mes premiers mois, okay. OK? Quand on parle Exode 7 verset 1 pour nous, hein? Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Lim et l'arrivait au désert de Sin qui est entre Lim et Sinaï le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Quand on est là des mois depuis d'Égypte. Ouais, mais des mois dans le désert là. Quand on a un point 10 des pas tous ces désordres que vous avez fait, des pardon 40 ans. Quand on a pour Exode 10 verset 1. Coucou pour nous, bien vite. La troisième mois, après les sorties du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert Sinaï. Nous avons 3 mois depuis l'Égypte. Vous avez continué. Exode 24, verset 18. Moïse entra au milieu de la nuée et il montra sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Nous avons 3 mois et 40 jours et 40 nuits.
Quand on va trouver ces deux ans de député fait dans le désert là, deux ans tout d'un pour 40 ans, c'est qu'il a prolongé bar là. Quand on a un noir pour l'autre 40 jours encore qu'il a fait, dans 34 verset 28, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits, il ne mangea point de pain et il ne boit point d'eau. Point d'eau et l'Éternel écrivit sur la table les paroles de l'Alliance. Les 10 paroles. Sont le 40, ça c'est les 34 verset 28. Son le 40 jours, tu fais encore. Moïse a décidé de poser après, tu viens faire Golden Kafla dans les 32. Moïse spend 40 jours de l'autre. Il a incédé une renewal of the covenant. C'est ça, tout le temps, dans les 34 verset 28. Dans les 35 verset 28, il a construit le tabernacle là. C'est que dans les autres 40 versets, nous avons dédié tabernacle là. Mais qu'on est des pour parler de Kounia. Faire sens cela, c'est dans un verset 1, nous avons deux ans arrivé. Mais qu'on a mis deux ans, bah, le verset qui va c'est deux ans, on a fait dans deux ans, déjà tourné 40 ans. D'après lui, l'Éternel, un verset 1 à 4, m'a bien avec nous. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, de la terre de destination, le premier jour du second mois, la deuxième année, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Ouais, c'est deux autres que vous devez faire dans le désert. Ça dit, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Et il dit, fais le dénombrement de tout l'assemblée des enfants. L'homme est deux ans dans le désert. L'homme est deux ans et avant que puisse rentrer dans la terre promise, vous pouvez faire un recensement pour moi. Les deux ans arrivent, vous pouvez faire un recensement pour moi. Okay. Les faire un recensement, c'est dans deux ans, ça pour nous pas sortir. Qui parle là, on Jean, il est 20 days là. Il va le mettre sur lui. L'homme est qu'à l'époque, je ne peux pas faire 40 ans. C'est 40 ans, c'est après deux ans. Dans il est 20 days là, on met sur lui. Il est 20 days à faire tourner 40 jours. Ça veut dire que vous pouvez faire un recensement pour moi. Faire le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon les familles, selon les besoins de leurs pères, en comptant par tête les noms de toutes les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, de tous ceux d'Israël, en étant de portée des armes, vous en ferez le dénombrement, qui c'est recensement, selon leur division. Toi et Aaron, il y aura vous un homme par tribu, chef de maison de votre père. Ouais, ça, ouais, des ans arrivés. On est là, dans un homme, dit verset 11, il a quitté Sinaï. D'après le Sinaï, puis le Kadesh Barnéa, c'est là ça, puis le Kadesh Barnéa, c'est là ça, 11 jours, 11 des là-bas, là, il y a le même stop là. On regarde pour elle, ma vie avec nous, dans un homme, 10 verset 11 à 13. Bible avec nous. Le 20e jour du second mois de la seconde année, deuxième année, deux ans de neuf de fête. Deuxième année, l'agneau s'éleva de dessus du tabernacle du témoignage. On essaie l'agneau à lever au cas de passé. C'est que parmi nous, il y a deux ans. C'est le même pour nous. C'est qu'il y a les deux ans arrivés, il y a dépassé plus le Kadesh Barnéa. C'est là qu'il y a le plan, il y a des journées. Et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï, déjà. C'est l'ordre fixé par leur marche. L'agneau s'arrêta dans le désert des parrains, qui sont dans le Kadesh Barnéa. Et ils firent ce même pas sur le Tédel par Moïse. Nous voyons ça dans Nom 10, verset 11 à 13. C'est que les arrivés à parrains, nous parlons de ça arriver, ils ne parlent pas mimurer. Yes. Nous parlons mimurer. C'est ça, vous parlez, vous du fait, la voie est quai. Ouais, il y a miré là, quand nous parle, l'offre déplacée après yo fait à tabera, yo va miré. N'a pas ça non 11 verset 1 à 6, parmi type ça là ou ca prolonger bénédiction mon Dieu. Nous va ça non 11 verset 1 à 6. Ouais, le peuple mira et c'est là de plus aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflammera, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévoila les cimetières de camp. Wow. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. Okay. Et on lui donna à ce lieu le nom Tabera, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis, là c'est l'eau qui est mix multitude, là c'est mon bon qui te sorti en Égypte, mon soir partenaire d'esclavage, donc c'est mon qui te. Égypte était plus grande à soleil, ça, un peu le monde était dans l'Égypte, il y a tant de temps là-bas, ça. Les peuples d'Israël l'ont sorti. Les peuples d'Israël l'ont sorti.
Les peuples sont sortis, ils ont tout quoi dans le bon Dieu, ils ont tout tourné. C'est pour ça qu'ils commencent à plaire avant, les gens ont commencé à plaire pour nous plaire tout. Parce que nous sommes pas eux-mêmes, non? Ils appellent le ramassiste. Nous sommes le ramassiste, mixed multitude. Nous sommes en tant qu'État-Unis qui est là, nous sommes tous haïtiens, nous sommes tous haïtiens, nous sommes tous haïtiens, nous sommes tous haïtiens. Le ramassiste des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fit saisie de convoitise et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire. Qui nous donnera de viande à manger? On dit comme ça, numéré. Nous souvenons des poissons, mm-hmm. Le bâton, oui, que nous mangions en Égypte et qui ne coûtaient rien. Mm-hmm. Des concombres, des melons, des poires, des oignons et des aules. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Nous voyons comme ça plein. Nous n'avons comme ça plein. Combien? Ces deux années, ce sont deux années qu'il aurait dû passer dans le désert. Dans le désert. Qui se sont transformées en 40 années d'errance. Ok? Contrairement à l'évangile de la postérité, la priorité de Dieu n'est pas que vous devenez riche, mais que vous transformez à l'image de Dieu. C'est ça, mon Dieu. Mais c'est pas pour être riche. C'est pour fonctionner en petite lit. Ok? Lorsque lorsque Dieu vous fait une promesse, c'est pour vous encourager à atteindre le niveau spirituel dont il a besoin pour vous, pour votre vie. Ainsi, pendant que vous attendiez qu'il accomplisse cette promesse, il profita de cette opportunité pour faire mûrir en Christ. C'est comme un athlète qui veut développer ses muscles. Ses muscles ne viendra pas du jour au lendemain. Il a besoin d'endurance pour réussir. Donc, Dieu a besoin de temps. De temps. Tout comme un diplôme, l'université a besoin de 4 ans. Même loi dans l'université, c'est 4 ans du pour faire. 4 ans, c'est 4 ans. Ouais, j'ai tellement qu'au café pour avoir une matière là. C'est que l'école n'a pas qu'à avoir un diplôme dans 3 ans. Dans 3 ans, on ne peut pas passer bord là, on ne peut pas avoir une nest là, vrai. C'est même ça. Lorsque vous dites, c'est 2 ans, c'est 3 ans, mettez pour c'est 3 ans, ça, lui, ouais, la forme et caractère pour mettre aux gens d'ouéer après ça la boire bénédiction qu'il te promet pour voir. Mais si sous-tu là avant de faire affaire pour ou prolonger d'attacher ça Israël pour le faire là, donc Dieu a besoin de temps. Tout comme un diplôme d'université de 4 ans a besoin de 7-4 années d'études approfondies pour vous donner un baccalauréat. Si Dieu se précipite pour accomplir une promesse sans préparation ni fondement adéquat, cette promesse vous détruira. Cela deviendra une malédiction au lieu d'une bénédiction. Cependant, si nous ne pouvons pas attendre à Dieu et commettre un seul péché, nous prolongeons notre temps. Nous devons donc reprendre la classe. Ainsi, la meilleure façon de précipiter les choses est de se soumettre à la volonté de Dieu et de nous obéir. Même si nous ne pouvons pas diminuer le temps que Dieu a prévu pour nous bénir, nous pouvons le prolonger. C'est ce qui arrive aux Juifs. Si vous dites c'est 3 ans, on ne peut pas faire 3 ans, tourner 2 ans. Mais pour ne pas faire tourner 2 ans, on ne peut pas faire 4 ans, on ne peut pas faire 10 ans tout. Well, je vais contrôler Léa. C'est que, nous parlons avec nous, nom 13, verset 25. Nous parlons avec nous, nom 13, verset 25 à 30. Quand on va commencer à plaindre, qui on va faire le test là, on va faire mon Dieu fâché, qui va faire 30 ans ça, 2 ans ça, avec Hélène Journée là pour venir 40 ans. Nous parlons. Nom 13, verset 25 à 30. Nous parlons avec nous. Il fut de retour des poissons. Kounen même, l'hôtel il vient dans cadre banéa, kounen yo ta explorer l'endan, kounen pi al ba rapport. Mais kounen tenne ki rapport. Il fut de retour de les poissons du pays au bout de 40 jours. OK? À leurs arrivées, il se rendit auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh dans les deux heures des parrains.
et ils firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Et ils montrèrent les fruits du pays. C'est des gros boutres, c'est des mondes qui pour porter tellement au gros. Ouais, voici ce qu'ils racontaient, à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici, et en voici les fruits. Mais le peuple, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Yes. Les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous y voyons, nous avons vu les enfants d'Anak. Yes. Les Amalécites habitèrent de la contrée du Midi. Mm-hmm. Les Essiens, les Égyptiens, les Amoriens habitent la montagne. Et les Cadéens habitent près de la mer et du long des Jourdains. Ouais, le Caleb, ça, Caleb fit le peuple qui murmura contre Moïse. Il dit, montons, emporons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes, qui étaient allés avec lui, lui dit, non, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et il décrit devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait éploré, lui dit, le pays que nous avons parcouru pour habiter, c'est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous avons vu des géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ouais, vous savez, malgré tout ça vous dites de faire pour Yori, yo ba un mauvais rapport qu'on a bon Dieu pour le fâcher. C'est ça que nous allons dire pour le fâcher. Non, 14, verset 11 à 13. Là, c'est que nous sommes là pour la mer rouge. Nous sommes là pour la mer rouge. Vous dites que vous avez un pile miracle, c'est pas vrai. Vous dites que vous avez fait seulement 10 pour le bas au terre. Mais là, arrivé après 11 jours, vous avez dans le cadre de la mer, vous avez fait 40 jours pour le bas au bail là. C'est que nous sommes là pour nous. Même si vous n'avez pas fait 2 ans, si vous avez 2 ans, vous n'avez pas fait 2 ans, vous avez 1 an et demi, ou vous avez 2 ans, vous avez 15 ans, vous avez 30 ans. Et ça fait. Au bien bon Dieu, pour parler de c'est l'homme d'un grand monde, qu'on ne va pas faire des déchets mondiaux, on va arrêter de jouer. Et l'autre, conséquemment, là, ou quand même perdu, même. Ça vient à la prochaine. Écoutez, bon Dieu, pas fâché. Dis à ton colère. N'appelez là dans l'homme 14, verset 11 à 13. L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à ce que ce peuple présente-t-il. Jusqu'à ce qu'il ne croit-il pas en moi, malgré toutes les prodiges que j'ai fait au milieu de lui. Je le frappais par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi, Moïse, une nation plus grande et plus puissante de lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'abandonneront, et du milieu desquels tu as fait monter le peuple par ta puissance. Nous autres avec Nombre 14, verset 1 à 13. Nombre 14, verset 1 à 13. Nous apprenons pour nous-mêmes. Nombre 14, verset 14 à 19. Côté Moïse, parle pédé. Moïse, parle pédé. Fais pas. C'est Nombre 14, verset 14 à 19. D'après côté Moïse, parle pédé pour le peuple. Nous même, dans l'île, nous allons avec nous. Ça parle avec nous. Je vais aller dans 14 verset 20 à 25. C'est que 14 à 19 dans nos capilles. Je vais aller dans 14 verset 20 à 25. Okay. Quand même, après, les mots viennent plaider. Quand on me dit, pas du ok. Quand on peut plaider, on va pardonner. On nous lit. Dans 14 verset 20 à 25, quand on va lire, l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant. Et la voix de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire, bien gros, et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans les déserts, et qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont plus écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point, ceux qui ont pu mourir dans les déserts là. Même leur pas, ouais. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit, de notre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voix,
je lui fais entrer dans les pays où il est allé. Et ses descendants, le poisson grand. Les Amalek, les Caméens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez par le désert, faites bac parce que vous ne pouvez pas rentrer dans la direction de la mer Rouge. Même après la rébellion, Dieu a condamné la génération plus âgée à mourir dans le désert. C'est que les gens qui sont plus âgés de 20 ans à Oya ou dans le désert, mais ces petits qui sont innocents, c'est qu'ils n'ont pas fait 40 ans. Qui n'ont pas fait 40 ans, c'est qu'ils ont payé, c'est qu'ils n'ont pas fait 40 ans dans le désert là. C'est que après la rébellion, Dieu a condamné la génération plus âgée à mourir dans le désert. Par conséquent, il doit passer sa plus petite, moins 20 ans, il doit passer 40 ans dans le désert. De même, verset Bali avec nous, c'est Nombre 14, 34 à 35. Bali avec donc 14, 35 à 35. Nombre 14, verset 34 à 35, c'est le dire que même le bac à prolonger, même le bac à diminuer, le bac à prolonger. Si vous dites deux emplois pour vous, vous ne pouvez pas faire le bac à un ennemi. Parce que les deux emplois, ils connaissent. Après des ans après, pour le bac après des ans après. Mais, vous ne pouvez pas faire deux emplois 25 ans. Donnez ça, ça 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 vous. Nombre 14 verset 34 à 35. Nombre 14 verset 34 à 35. Ça ça dit de même que vous avez mis 40 jours. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. 40 années. 40 ans. 40 jours. Une année pour chaque jour. Chaque jour. Wow. Et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Moi l'Éternel, j'ai parlé et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans le désert et ils mourront. C'est là qu'elle est arrivée avec nous. Ça veut dire souffrir un péché. Un péché. C'est là qu'elle avec nous. Bon, c'est que pour tourner avec nous. Dans la souffrance. Ouais, dans Deutéronome 1 verset 6 là. Ma vie tourne avec Deutéronome 1 verset 6 là. C'est la déconseil. Verset A. Dans Deutéronome 1 verset 6, c'est la tourne avec nous. Dans Deutéronome verset 6, c'est ça lié. L'Éternel notre Dieu nous parla à Oreb en disant, c'est les 40 ans passés, oui. Vous avez demeuré, vous avez aussi demeuré dans cette montagne. Kounia, ma vie verset 2 à verset 3, avec verset 6 là, qu'on a pour finir le message là. C'est qu'il est arrivé. Marc verset 1, verset 3, verset 1, verset 3, avec verset 5 pour nous définir. C'est que, ouais, qu'est-ce que verset 2 a dit? Il y a 11 journées, 11 days, okay. Depuis l'Horeb, par les chemins de la montagne de Sinaï jusqu'à Kadesh Barnéa. C'est que 11 des journées. C'est ça verset 3 a dit. 11 des journées depuis l'Horeb jusqu'à Kadesh Barnéa. Ouais, 11 des journées depuis l'Horeb. Dans la 40e année, au 11e mois, c'est qu'on fait le complete. Le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui a fait de donner, de leur dire. Nous te lisons, l'Éternel verset 6 là, c'est ça le dit, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à eux en disant, vous avez assez demeuré de cette montagne. Regardez ça, you have spent too long on this mountain. C'est que les mots de gomme bénédiction qu'il bat, si mon Dieu c'est 2 ans qu'il apprend, c'est de ça que la beauté qu'on a 2 ans ça la foutre en dedans. C'est de ça qu'il connaît quoi ou abri maturité. C'est pas 2 ans qu'il gaspille. C'est pas 2 ans gaspillé. Bon Dieu, comment ça l'a fait? C'est mon Dieu qui est lié. Bon Dieu, c'est ma méchante ça. Bon Dieu, ok, va faire 10 ans. Va faire 4 ans. Non. Ton ouais, bon Dieu, prend, c'est ça, bon Dieu, ouais, qui là, maintenant, dans le niveau qu'il y a. Ça, ou bien, fait ça, c'est collaborer à mon Dieu. Obéir à mon Dieu. Plus prier, bon Dieu. Plus faire maturité à mon Dieu. À l'église, lire Bibou, chercher mon Dieu, faire tout ça, mon Dieu, mando. Après que 2 ans, ça, si arrivé, bon Dieu, a bon bénédiction qu'il a baoua. Mais si dans 2 ans, ça, ou elle fait affaire quoi, ou elle fait affaire, bon Dieu, fâché, 2 ans, ça, quand on est 15 ans, il a donné 20 ans, qu'on a ça après 20 ans, ça, soit juste, si, on dit si oui, parce que dans l'autre, c'est pour moi, on a fait pour moi, le match de Béchia, ou quand même perdu, dans ça, non ça pour dire ça papa c'était pour dire que tu es juré pour te battre à Abraham à Isaac à et donc tu es juré il va pas babayol mais pas bon chrétien pour te jurer en rien pour
Bon, il va y avoir un bon. Et que quand il y a un monde bêtisé, ou qu'a perdu pour mettre là que vous dites à Baoua. C'est qu'on sait que c'est lui qui l'a fait son mal tout là, ou qu'a perdu. Quand vous avez un peu de Israël, vous avez fait 2 ans. 2 ans, vous avez 40 ans à côté de votre stop, on y est venu déjeuner. C'est qu'on sait qu'à Baoua, on dit que c'est de nous, et c'est obéir bon Dieu, prier bon Dieu, sanctifier nous pour promettre que vous dites à Baoua, pour qu'à nous, que vous dites à nous. Merci. Papa, nous pas bon, nous pas dit, nous pas gagné mérite. Nous prions, nous demandons grâce et faveur au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Bon Dieu bénis nous, bien aimés. Okay, merci, merci. Bon Dieu bénis tout auditeur nous. Nous aimons au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Bye bye. Merci, bye bye. Ok.